Alors, ici fin juin, tout se passe bien, on a eu plusieurs jours de pluie, donc le jardin et le potager se portent beaucoup mieux. Donc ici, au bout de l'allée, le but va être de continuer à faire grandir les plantes qu'on a déjà implantées. Dès que les salades seront prêtes, je ferai une rotation en y mettant soit de nouvelles salades, soit des oignons ou des haricots nains ou des poireaux. Donc ça sera à voir. Mais en tout cas ici, les choses ont bien pris de l'ampleur. Les lavandes sont encore magnifiques et remplies de butineurs. Donc dans le coin du triangle ici, j'ai tout un tas de pots. Donc c'est des asters, donc c'est des fleurs automnales qu'il faut que je mette en terre. Donc encore pas mal de boulot à cet endroit là, il faut que je trouve le temps de le faire. Ici la plante sud-africaine qui avait pas très bien résisté, elle a le centre de son pied qui est tout cramé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la sortir de cet emplacement, essayer sur les conseils de Kat de la chaîne Potager en fleurs. Elle m'a dit que peut-être je pourrais tenter de la bouturer de façon à essayer d'en avoir d'autres pieds pour plus tard. Donc je vais faire ça. Et à la place, je ne sais pas encore trop ce que je vais mettre. J'ai peut-être un arbuste un peu plus loin qui se plairait bien ici. Donc je mettrai peut-être ça. Mais en tout cas, tout se porte super bien. Les fétugues bleues sont trop belles. Franchement, mais j'adore cette plante quoi. C'est la couleur est sublime, ça se marie hyper bien avec les lavandes et les euphorbes. Donc il y a une euphorbe derrière. Au niveau des textures, c'est super beau, la différence entre les trois plantes. Donc j'adore, ça fait un joli pied à l'eucalyptus qui pousse beaucoup et que je vais commencer à tailler un peu. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc toutes les plantes se portent super bien ici. J'ai les salades qui commencent à bien repousser. Donc celles-ci, ces deux-là sont encore un peu petites. Mais de l'autre côté, ici, de l'autre côté, ça se porte beaucoup mieux. Donc c'est la variété Lolo Rosa. Donc ça pousse, c'est long hein, par contre franchement je suis pas prête de les récolter. Je vais attendre un petit peu encore avant de leur couper quelques feuilles pour la consommation. Donc dans l'idée, on aimerait pouvoir couper des feuilles au fur et à mesure de notre consommation. Là j'ai pas mal d'autres salades que j'ai semées il y a 2 semaines qui vont bientôt être plantées en terre. Donc vous voyez, j'ai encore pas mal de place en fait où je peux planter des salades. Genre par exemple, ici là je pourrais en planter une. Ici, pareil, je pourrais en planter une. Donc là j'avais une courgette qui n'avait pas du tout apprécié. En fait je l'avais mise en terre et 2 jours après je crois la canicule, enfin une des canicules avait commencé. Donc elle avait eu beaucoup de mal à se lancer. Ça va beaucoup mieux, j'ai bien paillé, j'ai surveillé l'arrosage. Et là, elle est repartie, mais ça reste encore un tout petit plant. Donc je pense que ça sera plutôt des courgettes de... Ce sera pas des courgettes du coup de début de saison, parce que là, normalement, je pourrais déjà commencer à en avoir quasiment. Et là, ça sera pour plus tard, mais c'est pas grave. Juste derrière elle, j'ai la bouture de jasmin que j'avais récupérée chez une copine. Qui se porte super bien. Je sais pas si vous allez vraiment voir, mais voyez, j'ai plein de petites pousses, donc c'est super cool. Il a végété pendant un petit moment, donc je pense que les jasmins, les boutures de jasmin ont besoin d'un tout petit peu de temps avant de se relancer. Mais là, ça y est, c'est parti. Hein, donc ça, c'est super. Et le but, ça va être de le faire grandir. Sur les écorces. Donc là, j'installerai un système de, je pense, de câbles. On a pas mal de, il nous reste pas mal de câbles de fixation en acier galvanisé. Donc, je pense que j'essaierai de fabriquer quelque chose de façon à ce que le jasmin qui est tout au fond puisse partir
et à gauche et à droite un petit peu et venir remplir un peu cet espace. Donc, voyez, du coup, ça donnera quelque chose d'assez sympa. Il y a un peu de hauteur entre les deux buissons de leucadendron qui se portent super bien et qui font de belles pousses. Ensuite, ici, j'avais, j'avais acheté un plant de tomates Green Zebra parce que j'avais pas de graines de Green Zebra et j'avais bien envie d'essayer ça au jardin. Et bon, donc c'est la seule plante du commerce que j'ai là au jardin et franchement, c'est pas fameux. En fait, j'ai deux tomates. Toutes les fleurs sont tombées. Là aussi. Donc voilà, j'ai deux tomates. Et elle est toute dégarnie en fait. Elle est pas très. Alors est-ce que c'est normal pour les Green Zebra? C'est peut-être normal pour la variété. Je sais pas. Vous pouvez peut-être me dire ça en commentaire si vous avez des infos là-dessus. Mais en tout cas, je la trouve pas très fournie. Enfin voilà, bon, c'est pas la folie. Mais bon, si je peux goûter deux Green Zebra, ce sera toujours ça. Donc là j'ai une petite tomate. Donc c'est une tomate JL Midnight Select, donc c'est une tomate noire bourrée d'anthocyanes. Donc c'est rempli d'antioxydants, c'est vraiment les tomates les plus proches des tomates sauvages. Et il me tarde vraiment d'essayer ces tomates, j'espère que ça va bien donner. Les pitosporans se portent super bien, j'ai plein de nouvelles petites feuilles, donc ça c'est cool. L'auropétalum qui, je sais pas en fait, lui, je sais pas trop comment il va, il a eu un gros coup de chaud pendant la dernière canicule, celle qu'on a eue en juin, donc je sais pas, on va continuer à arroser et à voir comment ça se passe. Là j'avais mis deux laitues, donc toujours pareil dans cette idée de diversifier, de mélanger ornementales et potagères. Donc ces deux petites laitues, bah franchement, super, elles se portent super bien. Parce qu'elles ont du soleil le matin, un petit peu à midi, mais pas trop longtemps. Parce qu'ensuite, les écorces, la clôture en écorce vient leur faire ombre. C'est pour ça que c'est super. Et l'écorce marche bien sur le milieu de journée quand ça tape fort. Donc on croise les doigts. Ici, j'avais des cosmos, enfin, je les ai toujours. Mais franchement, je sais pas, ils sont restés tout petits. Pourtant, ils sont censés être vraiment grands. Donc, j'ai lui là derrière qui est un peu plus grand et qui fait de temps en temps des jolies petites feuilles. Mais voilà, c'est pas hyper prolifique. Donc, ce que j'ai fait, j'ai écouté un podcast. Certains d'entre vous doivent le connaître peut-être. Ça s'appelle On s'aime fort. C'est sur. Moi, je l'écoute sur Spotify. Et donc j'ai semé, il conseillait de semer des courgettes, des graines de courgettes maintenant, donc fin juin, aux alentours de fin juin, de façon à ce que ça soit des courgettes qui viennent prendre le relais des premières courgettes qui arriveront à être un peu fatiguées en août. Et du coup, on aura des courgettes qui viendront prendre le relais sur la deuxième partie de la saison. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tremper un certain nombre de graines hier soir, et là ce matin, eh ben je les ai mis en pleine terre, donc je surveillerai. Il faut par contre bien sûr arroser quand même régulièrement. Donc vous voyez, j'ai fait un trou, et en fait étant donné que c'est cosmos là, cette zone de cosmos, bon, normalement je voulais qu'elle me remplisse vraiment cet espace avec tout un tas de fleurs, mais bon, c'est complètement raté. Donc à la place, bon, pourquoi pas faire plutôt un plant de courgette. Et l'avantage, c'est que vu qu'il va démarrer directement en pleine terre, il sera beaucoup plus vigoureux, donc son système racinaire sera top, et il pourra prendre tout de suite des nutriments, les nutriments dont il a besoin. Donc affaire à suivre là dessus j'en ai mis à différents endroits du jardin. Donc les autres plants, bon bah là j'ai beaucoup de choses qui m'attendent encore en pot, donc je les serre vraiment contre la clôture pour qu'ils aient le moins de soleil possible, parce que là il fait quand même un peu chaud. Donc j'ai plein de choses, j'ai des forsythias, symphorines, des érigérons ici, donc tout ça c'est à planter. Il me reste pas mal de choses à faire. Vous voyez, c'est ce petit
ce petit buisson que je pense mettre à la place de la plante sud-africaine. Je vais essayer de retrouver le nom de cette plante, je me rappelle plus comment elle s'appelle, la plante sud-africaine. Et celle-ci, je sais pas comment elle s'appelle, c'est ma belle-mère qui me l'a donnée, mais je pense que ça serait très joli. Ici, j'ai une des tomates que j'avais semées, donc qui a bien grandi, donc vous voyez, quand je recule un petit peu, c'est un peu cet effet que je veux avoir en mélangeant les plantes ornementales et les plantes potagères. C'est vraiment une impression de fouillis, de quelque chose de très dense. Donc celle-ci, bah, franchement, elle se porte super bien. J'ai énormément de bouquets. Donc c'est super, je suis super contente. Et j'ai les premières cerises qui commencent à pousser gentiment. Voilà, donc il me tarde de voir ce que ça va donner. En tout cas, celle-ci, elle se plaît bien ici et c'est cool, je suis bien contente. Donc là, j'ai quelques petites floraisons. Donc, ça fait toujours plaisir. Les fraisiers se portent hyper bien. Donc toujours des choses en pot dont il faut que je m'occupe parce que c'est la cata, je vais perdre la moitié des trucs. Mais voyez, j'ai plein de choses. Bon, après, j'ai aussi des choses, genre des plantes un peu succulentes, sedum et compagnie. Donc eux, ils arrivent quand même à tenir en pot et à survivre à peu près. Mais bon, pour d'autres plantes, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, il faudra que je m'en occupe quand même assez vite. Chose bien cool, c'est que mes petits plants de fraisiers recommencent à faire des fleurs, donc ça c'est cool, on aura une deuxième récolte. Et ben on sent que ça y est, là ils sont partis en mode reproduction, parce que là j'ai énormément de plants qui sont partis me faire des stolons un peu partout, donc j'en ai mais dans tous les sens. Regardez, ils ont, mais en quelques jours hein, c'est hyper rapide. Regardez, lui, le bébé stolon qui s'est à peine enraciné, il a déjà refait un bébé pour partir lui-même. Ça repart là-bas, j'en ai dans tous les sens. J'ai des tiges mais qui sillonnent toute la fraiseraie. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement en garder quelques-uns, genre ceux qui sont le plus grandi déjà. Genre lui, il est quand même pas mal, mais je vais couper le bout. Je veux pas en fait qu'ils s'épuisent trop. Je vais tous les couper les uns des autres, parce que moi, ce que je veux, c'est manger des fraises. Ils se sont déjà bien multipliés l'année dernière, donc voilà, le but ça va être quand même de les contenir un peu dans leur envie de reproduction et d'essayer de leur faire plutôt produire des fruits. Petit tour aussi, donc à l'avant de chez nous on a notre déchetterie, donc il faut qu'on s'en occupe. Mais donc dans la jardinière aux plantes argentées, j'avais mis des poireaux. Ils se portent relativement bien dans l'ensemble, donc ça c'est cool, je suis contente. Vous voyez, ils commencent à me sortir des feuilles, c'est top, ils sont à fond, je suis trop contente. Alors par contre, je ne sais pas trop ce qui se passe, là j'ai une symphorine, je crois que c'est les chats. En fait, on a beaucoup de chats, il y a des voisins, ils récupèrent tous les chats errants qu'ils peuvent et ils les gardent chez eux. Donc j'aime autant vous dire que des chats, on en a une bonne dizaine dans le jardin qui passent, repasse, gratouille et compagnie. Et le truc, c'est que bah là, je crois qu'ils sont passés un peu trop près de ma santoline et qu'ils m'ont un peu abîmé le poireau qui était le mieux en forme. Donc je vais voir, je vais essayer de le replanter, mais bon. Et cette santoline, bah je sais pas trop. Je vais peut-être lui mettre un petit. Mais voyez, derrière, il y en a un qui se porte super bien. Donc tout va bien, là faut que je continue à pailler avec les petits graviers. J'avais commencé et puis je me suis arrêtée.
Mais ouais, là j'ai la cinéraire qui rentre en fleur, donc c'est cool. Et par contre, alors la deuxième, j'ai beau tout essayer, je pense que, je sais pas, ça va pas, elle est pas. C'est de pire en pire. Et bah, le liseron de Turquie, c'est pareil, c'est de pire en pire. Je pense que. Je sais pas s'il va repartir, faut que je me renseigne un peu plus pour voir ce qu'il en est. Mais voilà, non, mais sinon, sinon je suis contente. Et la lavande va bientôt fleurir, donc c'est cool.